C'est la première exposition consacrée à l'œuvre de Robert Kirkman, qui est un auteur vraiment décisif de ces 15 dernières années aux États-Unis. J'ai trouvé un stylo suffisamment fin pour que ce soit possible qu'un schtroumpf utilise cette taille-là de crayon. C'est une exposition qui est consacrée au travail de Yukito Kishiro et plus particulièrement à son œuvre Gun, qui est sa série principale, qui a été écrite entre 1990 et 1995, en tout cas pour la partie sur laquelle se concentre l'exposition. Le musée Louis-Philippe a eu un succès indéniable, il y a eu plus d'un million du sang des visiteurs. Tout mon parcours, dessin d'enfance, dessin d'adolescence, premiers travaux dans la presse jeunesse, donc dans l'illustration jeunesse aussi, les albums pour enfants, les années Charlie, de dessin de presse, et puis après les albums de bande dessinée. Christin, c'est un scénariste. C'est pas si courant qu'il y ait des expositions sur les scénaristes. Et c'est une exposition exceptionnelle. C'est une exposition qui est faite à la première personne du singulier. C'est Pierre Christin qui dit « je » et qui raconte son histoire. C'est important de dire par quoi est traversée notre profession. Donc ceux qui le sentent, celles qui le sentent, ont fait un dessin gratuit contre une discussion. Gosh, like, I'll have this character be in a coma. He's like a cop and he's in a coma. So he wakes up and is like, zombies? What's going on?